Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Densha de Go Final, guidé par Taito, comme d'habitude, cette fois-ci sur PlayStation 2. Donc, c'est un jeu de train, hein, comme tous les Densha de Go, j'ai envie de dire, sauf que cette fois-ci, on est sur une génération supérieure, pardon. Et on va découvrir ensemble un petit peu le jeu, redécouvrir, puisque le système est plus ou moins le même en fait entre chaque Densha de Go, hein. Le jeu ne se réinvente quasiment jamais, à part peut-être le système de chaîne, ce genre de choses, vous allez voir. Alors, pour commencer, on a le mode Driver Works, donc on est conducteur, le mode conducteur travail, enfin contrôleur quoi. Alors ce mode contrôleur est disponible qu'après 100 000 crédits. Vous voyez, on a l'argent en bas, on est à zéro. Quand on va faire le mode solo, on va emmagasiner de l'argent au fur et à mesure, et ça nous permettra de débloquer des choses. On a le mode musée, que je vais vous montrer dès le début. Donc on a l'introduction, on a le movie show. Donc par exemple, on peut voir certains musées, on peut voir les trains en trois dimensions. Par exemple, alors je sais pas si je peux le faire pour tous, parce que je crois qu'il faut débloquer peut-être après. Mais par exemple, on va prendre celui-là. Donc là, on a la variante 681, voilà. Et si on choisit, on peut changer les photos. Et on peut aussi, voilà, le voir en trois dimensions. On peut se balader et voir le train vraiment en 3D. Donc les trains sont très bien faits. Enfin, en tout cas, pour l'époque, c'était plutôt bien réalisé. Bon, c'est pas parfait non plus, hein. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de 3D, par exemple, au niveau des roues. Donc on a LR pour faire un zoom on-off, on peut changer de cabine il me semble. Attendez, je crois que c'est avec le bouton 3, non? Ah, j'ai dit de la bêtise. Normalement on peut changer les... on peut voir les navettes, alors attendez. Peut-être rond. F91, DC180, ouais on peut changer. Select, c'est pour enlever ou afficher le menu. Et triangle, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Oui voilà, triangle, on peut choisir les wagons. Ça n'a pas grand intérêt, mais bon, au moins on peut aller jusqu'au bout du train. Alors que là, il n'y en a que 4, hein, mais d'autres trains ont beaucoup plus de wagons. On va faire retour. Ensuite, on a les options. Alors les options, c'est assez important si vous jouez à la manette, puisque il y a un mode, je trouve, qui est plus pratique que les autres. Au niveau du maniement, enfin au niveau des contrôles. Montrer juste après. Donc on a les options d'affichage, donc on peut par exemple afficher tout ce qui concerne la vitesse. Donc évidemment, si vous affichez pas toutes ces options, ça va rendre le jeu plus ou moins difficile. On a les options, je crois que c'est pour le passage de niveau. On a les options sur les G, pour l'afficher ou pas, c'est-à-dire savoir si on est proche.
Quand vous êtes dans un wagon, vous avez les gens qui sont donc assis dans le wagon ou debout, hein, ça dépend les cas. Mais il y a un système de jet qui fait que si vous freinez trop fort ou accélérez trop vite, eh ben vous pouvez faire tomber des gens. Ensuite la navigation, alors ça je sais pas exactement à quoi ça correspond. J'imagine que c'est des infos par rapport aux vitesses à ne pas franchir, sachant qu'on peut faire vraiment sans aide, c'est-à-dire qu'on se débrouille avec le panneautage qu'il y a sur le tracé. Les feux, voilà, donc le démarrage ou pas. Et on peut remettre à zéro et changer évidemment la position de l'écran, mais ça on va pas le faire. Ensuite on a les options de son, je le sais par défaut. Je reviens dans les contrôles justement ce que je vous disais. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va passer dans ce mode là. Attendez, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. On va passer dans ce mode là qui permet en fait de freiner aussi avec la flèche du bas. Enfin avec la flèche du haut pardon et d'accélérer avec la flèche du bas. Et du coup, on va faire donc le retour en arrière. Ça c'est bon. J'espère que je l'ai validé, je sais plus si je l'ai validé. Ouais, si c'est bon. Ok, on va revenir en arrière. On peut évidemment sauvegarder la partie. On va faire Driver Works. Alors, donc on a plusieurs lignes. La Main Hotel Line la plus classique, c'est celle de Tokyo. On a la Show Line qui est aussi une ligne de Tokyo, mais c'est un peu une ligne extérieure. La ligne d'Osaka. On a la ligne de Tokaido. Et vous allez voir, chaque fois, c'est des trains différents. On peut voir les replays aussi. Les premiers niveaux de chaque, ce sont des niveaux un peu tutoriels. Donc on va pas les faire. On va aller directement dans une partie classique. Parce que c'est des parties qui sont assez longues, mine de rien. Il y en a pour une dizaine, quinzaine, voire 20 minutes, des fois, voire plus. Si vous faites des schémas complets, des fois. Enfin, des circuits complets. Alors, vous pouvez voir qu'ici, par exemple, donc on a le nom du train. On a la difficulté. On a aussi... comment dire, on a aussi le temps, vous pouvez voir qu'il y a le soleil dans celle-ci, par exemple ici il fait pas très beau. Et ça va impacter bien évidemment les distances de freinage quand vous allez vous arrêter en gare. Alors du coup, enfin sur les stations. Donc on va prendre le. Ben, je vous propose le premier. De toute façon pour débloquer les autres, vous avez vu, il faut 25 000 points, 68 000 points, etc. Il y a énormément de tracés, donc on va faire le premier. Alors ici on peut choisir plusieurs variantes, par exemple, on est sur la ligne intérieure de Tokyo, la Yamanote Line, Ueno, Osaki, on peut faire par exemple Shinjuku, Ueno, on peut faire Osaki, Shinjuku, ou faire carrément toute la boucle. Toute la boucle, je vous le dis, c'est très très long. Donc nous, ce que je vous propose, c'est que l'on va faire... Allez, bah écoutez, on va faire Osaki, Ueno, on va faire la toute première. Et nous sommes partis. Alors le jeu est très fidèle dans le sens où, bon, on a le tracé qui est fidèle, on a les sonorités qui sont fidèles, on a vraiment les mêmes ambiances que dans les gares à Tokyo, c'est exactement les mêmes, c'est reproduit à l'identique. Donc on va faire tout ça, hein, voilà. On va faire toutes ces gares, ça fait beaucoup. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer de toute façon... chaque menu. Allez, c'est parti, on met la patate. Donc en bas à gauche, vous avez la partie haute en orange, ça va être les freins, la partie bleue, ça va être l'accélération. Là, je dois aller à 65 km/h, donc là, j'accélère à fond. Mais progressivement, je vais ralentir l'accélération pour être au plus proche de 65 km/h sans les dépasser, ce qui va me faire un malus. Là, je vais augmenter un peu, voilà, je ralentis un petit peu la progression. 2, c'est bien. On va rester sur 1. Dans 200 mètres, il y a déjà le prochain arrêt, donc je vais commencer à ralentir. Voilà, là il fallait freiner et s'arrêter, je vais redémarrer. Alors, on a donc en dessous les G, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que plus ils sont élevés, plus les gens vont avoir de pression derrière, donc risquent de tomber, donc il faut absolument pas qu'ils tombent, donc ça c'est un paramètre à gérer. Là, vous n'allez pas freiner comme un bourrin. Ensuite à droite, c'est la vitesse à ne pas dépasser, en bas à droite, 65 km/h. Et vous allez voir que cette variable va passer très vite.
passer à 75 maintenant, donc on va pouvoir accélérer bientôt. Alors dès qu'on va passer le panneau dans la petite, dans le petit carré à droite à 75, on va pouvoir augmenter notre vitesse. Donc là le but c'est de maintenir la vitesse la plus proche pour marquer le plus de points. Et si vous êtes bon à chaque palier, bah, vous enchaînez des chaînes en haut qui vous donnent de plus en plus de points. Et vous voyez, on a 800 mètres qui s'affichent en dessous, 700 mètres, c'est l'arrivée jusqu'à la prochaine gare ou le prochain événement. Ce qui fait que là, bientôt, je vais devoir soit ralentir, soit m'arrêter, soit passer devant une gare. Donc là, on va descendre. Voilà, on passe à 65 km/h. Et on va bientôt arriver en gare. On a le logo orange qui nous indique qu'on a bientôt arrivé dans une gare sur la droite. Donc là j'ai commencé à ralentir et le but du jeu bah, bien sûr ça va être de s'arrêter pile sur la ligne de fin. Donc là je freine progressivement. Vous allez voir que c'est un jeu où il faut être ultra concentré. Ça, je vous explique un peu tout au début mais vous allez voir après c'est pas évident. On a un temps maximum d'arrivée hein, ce qui fait que par exemple je suis déjà en retard. Là j'ai commencé à freiner. Et là par exemple j'arrive un petit peu en retard, donc du coup j'ai là ma barre qui est baissée, qui est perdue, deux petits bonhommes en haut. Quand la barre verte elle devient vide, et ben en fait j'ai game over hein, tout simplement. Alors j'ai 17 secondes de retard sur mon temps d'arrivée. Je me suis arrêté 3,86 mètres plus loin que le marqueur, ce qui est assez correct, ça passe, hein, c'est considéré comme bon. Par contre quand on dépasse les 5 mètres en général c'est un échec. Donc faut s'arrêter au plus proche. On va passer du coup à la seconde gare. Ces musiques, si vous allez au Japon, vous allez surtout à Tokyo, vous allez les connaître, mais par cœur à force, elles sont vraiment excellentes. Là on va voir le bip, et dès qu'il se termine, je vais lancer l'accélération. Voilà, je démarre. Et on va aller jusqu'à la prochaine gare. Donc l'idée c'est de faire le maximum de points, le maximum de scores, d'être le plus précis. Et si on a un très bon score entre chaque gare, on peut avoir des étoiles. Donc la première étoile bronze, étoile d'argent, étoile d'or quand on est vraiment vraiment très bon. Et là on va aller jusqu'à 90 km/h. Alors le jeu considère les dénivelés, c'est-à-dire qu'en gros là on est sur une ligne droite, donc l'accélération est plutôt linéaire. Mais il y a certains passages, vous allez voir, où on va monter ou on va descendre, ce qui fait que bah, il va falloir adapter par rapport au dénivelé notre vitesse, notre accélération ou notre freinage. Donc là le petit inscription bleue qu'on a sur la map, ça veut dire qu'il faut passer à cette vitesse, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. Donc il faut être plus proche de 90, vous voyez on a un petit décalage, je suis à plus 3. Et l'avantage d'être à plus 3, ça veut dire que bah, je commence à avoir de l'avance par rapport à mon temps prévu. Là on va arriver sur une zone à 90, on est toujours à 90 km/h donc c'est bon. Mais un peu plus tard on va arriver sur une zone 75, donc on va commencer à ralentir. Donc là je vous remets un peu à 90. Voilà, et à partir de là on doit tomber à 75. Je freine un peu plus fort. Et j'ai échoué, tu vois par exemple, voilà, j'ai pas ralenti assez. Là on arrive à 500 mètres et vous allez voir bientôt, il y a une chaîne. Donc il va falloir commencer à ralentir. Parce qu'on va arriver en gare. Et on va essayer de faire mieux que tout à l'heure. C'est vraiment, je vous le dis, un jeu qui est très difficile à faire en commentant en direct. Vraiment, c'est quelque chose, c'est un jeu où il faut être toujours sur le qui-vive. Il faut vraiment regarder chaque kilomètre heure, pas faire gaffe à sa vitesse tout le temps. C'est vraiment pas évident au début. Si vous commencez ce jeu au début, vous allez vous planter littéralement. En général, c'est très compliqué d'y arriver. Je descends un peu le frein, voilà, pour redescendre ma vitesse assez progressivement. Là, je vais le laisser filer un peu. Là, il me reste 10 secondes pour m'arrêter. Pas mal.
38 cm, ce qui est plutôt un très bon score. Et je suis arrivé, je pense, pratiquement à l'heure. On va voir, du coup. Je suis arrivé 4 secondes en avance. Alors, le but, c'est pas d'arriver en avance forcément, c'est d'arriver à l'heure pile. C'est-à-dire que dans les trains, on n'est pas censé arriver à l'avance, puisque justement, ça dérègle un peu tous les autres trains. Donc là, 38 cm, 4 secondes d'avance, c'est 190, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On va passer du coup au quatrième. Et j'ai une petite étoile. Normalement, je sais pas si étoile d'argent, ouais. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire mieux encore. Donc je descends à chaque fois voilà, au neutre. C'est-à-dire que je suis presque en roue libre. Et on va attendre que ça démarre. Et tout ce que vous entendez, la fille qui part, etc., c'est copier-coller. C'est vraiment les mêmes sons, les mêmes bruits, la même annonce, la même voix que ce que vous avez dans la Minute Line réelle. Donc, c'est un jeu qui est réservé aux Japonais hein, à la base, hein, c'est-à-dire que le jeu n'est même pas traduit quasiment. Donc, il faut se débrouiller par nous-mêmes pour comprendre un petit peu. Mais pour les Japonais, c'est le jeu phare en fait, là-bas. De gestion de train, de. Enfin, voilà. Et il est super bien fait à ce niveau-là. Là, je vais commencer à ralentir un peu pour pas dépasser les 55. On va passer à la zone 75, donc on va pouvoir accélérer à partir de maintenant. La prochaine partie, vous avez vu, donc le logo bleu, ça veut dire que l'on. L'inscription bleue, ça veut dire qu'on peut. On doit juste passer à 75 km/h sans s'arrêter. Une fois que vous avez compris le système, en gros, il faut déjà faire, mine de rien, quasiment le premier mode. Là on va arriver, 75 km/h, on va garder notre vitesse. Alors voilà, oui, il y a 500 mètres, donc on se doute qu'on va bientôt s'arrêter. Donc je vais commencer à décélérer légèrement. Voilà, on baisse un petit peu à 2 le frein. En général, ce que je fais, c'est que je me base par rapport à la vitesse de descente du nombre de mètres, pour soit relâcher un peu le frein, soit accélérer. Alors, dès que je vois que ça descend pas trop vite, je commence à redescendre le frein aussi. Et là, ça freine pas mal, ce qui fait qu'il faut que je laisse, là, il faut que je laisse filer un peu. Quatre. Voilà, on va monter un petit peu. 3, 2, 1. Je vais attendre un petit peu. Voilà, j'ai essayé d'arriver pile à l'heure. 39,50, 39,50. On est pile à l'heure. Donc ça, c'est bien. Alors par contre, je me suis pas arrêté au bon endroit. C'est-à-dire que j'ai plutôt privilégié de m'arrêter à l'heure que de m'arrêter pile sur la ligne. C'est un choix. Concrètement, j'aurais pu essayer d'être peut-être plus précis et d'arriver pile sur la ligne. Mais si j'avais fait ça, j'aurais sûrement été une seconde ou deux secondes plus lent que l'heure prévue. Donc là, on a encore une médaille. Et on va arriver de toute façon jusqu'à Ueno. Ueno qui est le parc d'ailleurs de Tokyo. Le plus grand parc de Tokyo. C'est un parc zoo d'ailleurs, hein. C'est plutôt un zoo même. Alors je vais évidemment aller jusqu'au bout pour vous montrer un petit peu la suite, enfin pour vous montrer comment ça se passe derrière. Mais voilà, je vous dis, ça dure pas mal de temps, on est déjà à 18 minutes, on n'a pas fini encore. J'essaierai de vous montrer d'autres modes de jeu qui sont beaucoup plus difficiles. Enfin, d'autres lignes sont plus difficiles parce qu'on va avoir des trains beaucoup plus rapides. Là, c'est vraiment le mode le plus simple. Je n'ai pas la prétention de dire que je sais faire les prochains modes, mais je vais vous montrer quand même. Voilà, attendez, j'ai trompé de touche, j'ai failli me prendre une survitesse d'un coup là. On va remonter un peu, pour être au plus proche des 75. Alors si vous voulez pouvoir regarder le décor, hein, qui est à peu près le même que ceux qu'on a à Tokyo, hein, ils ont pris les bâtiments. C'est vraiment les mêmes zones. Après on est sur Play 2, je trouve que le jeu pour un jeu Play 2 est pas trop mal. Par contre, graphiquement parlant, mais il aurait pu être un peu mieux quand même. Tombé à 55. Voilà. Et on va s'arrêter à la prochaine.
prochain arrêt. Et on a fait pas mal de... On a fait un bon combo là. On a bien enchaîné, on a été à la bonne vitesse au bon moment. Et il fallait être assez réactif d'ailleurs. Et on va s'arrêter à la prochaine gare. Voilà, c'est pas le mode le plus difficile parce que le train va pas spécialement vite. Donc on a vraiment le temps de... Enfin, on a quand même le temps de voir venir. Quand vous allez prendre d'autres trains, d'autres lignes, avec beaucoup plus de dénivelé, beaucoup plus de paramètres à prendre en compte, ça va être beaucoup plus difficile. Voilà, je vais laisser filer jusqu'à 30. Et on va s'arrêter. Bon, 3,80 m, c'est un peu... c'est beaucoup. Ça passe pour le jeu, mais c'est quand même pas mal. 3 mètres de décalage par rapport à la position des gens, c'est pas bon. Faut savoir qu'au Japon, devant chaque porte, en fait, c'est adapté hein, par rapport au train. Vous avez des lignes de démarcation qui sont posées juste devant, en fait. Enfin, un peu comme des grilles sur la Formule 1, vous voyez, là, ça ressemble un petit peu à ça, sauf que c'est beaucoup plus étiré. Et les gens se calent en ligne, en file, derrière chaque entrée. C'est-à-dire qu'avant même que le train arrive, vous savez que le porte va s'ouvrir devant vous, si vous vous placez sur les marques. Et donc du coup, là, les 3 mètres d'écart, vous imaginez bien que ça décale tout le monde. Donc en fait, ça va faire perdre du temps à tout le monde. C'est pour ça que c'est très important de s'arrêter au centimètre près. Fermeture des portes, voilà, le train a démarré. Et c'est parti. Alors 60%, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est quand on est bon au niveau de l'accélération. Je veux pas vous dire vraiment ce que ça veut dire, parce que c'est... Le problème de ce genre de jeu, c'est que c'est souvent du japonais technique, ultra technique, et du coup on est sur des kanji, et qui dit kanji dit en gros, si vous connaissez pas les kanji, vous êtes mort quoi. Vous pouvez pas traduire en hiragana, katakana pour à peu près comprendre ce que ça veut dire. Là c'est vraiment de la pure connaissance du japonais, et d'un japonais de niveau... plutôt élevé. Donc c'est vraiment réservé à ceux qui ont un niveau, un bon niveau de japonais. Mais c'est un jeu qui est ultra prenant si vous aimez, par exemple les jeux de simulation de train, simulation de métro, etc. Il n'y a pas tant que ça en plus, hein, dans ce genre de jeu, donc il faut... On commence à ralentir là. On commence à monter vite dans les mètres. Là, il faut que je tombe à 65 en plus. Bon ça va, je suis bien, il fait que je sois à 65, je suis déjà en dessous. Un peu augmenter le freinage, voilà. 30-120. Alors il y aura d'autres paramètres à prendre en compte dans les modes un peu plus difficiles. Typiquement les zones de danger, les intersections, il va falloir par exemple mettre un signal sonore. Il y a plein d'autres choses à gérer. Attendre un petit peu. 21 cm, c'est pas mal. Attention, hein, je parle pas d'autre chose. Hein. Je sais très bien que la vanne elle est facile, mais je ne parle pas d'autre chose. Mais c'était pas mal, 2 secondes d'écart, 21 cm, c'est un beau score. Pour moi c'est un bon score, c'est très difficile à faire, mine de rien. J'ai beaucoup joué avant pour essayer de vous montrer un truc assez propre. Mais en vrai au début vous allez galérer, vraiment. Surtout si vous passez à la manette. Alors il y a le boîtier hein, qui était prévu, on a eu l'or, hein, ce qui est pas mal aussi. On a eu l'or. Il y a un boîtier hein, spécifique pour Densha de Go. Non, la musique. Bref, c'est vraiment du pur souvenir. Il faut vraiment, un jour, si vous aimez le Japon, allez au Japon. Vous allez comprendre tout le délire qu'il y a à ce niveau-là, au niveau des trains. C'est une institution là-bas, c'est vraiment exceptionnel. Je disais donc, il y a un boîtier. Attends juste que le décompte soit fini. Voilà. Il y a un boîtier qui vous permet donc de manipuler comme le vrai train, c'est-à-dire qu'on a la grosse... le manche en fait qui va vers le haut, vers le bas, qui vous permet de mieux ajuster votre vitesse. C'est beaucoup plus pratique qu'une manette bien sûr. Donc si vraiment vous êtes à fond dans ce genre de jeu, bien sûr achetez le truc avec. Vous allez vraiment prendre beaucoup plus de plaisir à jouer à ce jeu. On va à 65 km/h, voilà. Et c'est bien des kilomètres heure au Japon, hein. C'est pas des miles, attention. Hein. On va rester à 65 et l'arrivée elle est bientôt, donc on va faire gaffe, hein. il y a déjà la prochaine station. Voilà, prochain arrêt. Vous avez vu le nombre d'informations à gérer à droite, c'est quand même assez énorme.
Mais faut pas forcément tenir compte. Ce qui en compte, c'est vraiment la partie orange. Et donc là, on est sur le chemin de Tokyo. Et là, on arrive à la gare de Tokyo. Putain, faut vraiment que je freine. J'ai complètement... J'ai regardé le nom de la station, j'ai pas fait gaffe à la suite. Voilà, 20, 19, 15... Dès qu'on arrive à 10, on commence à freiner un peu plus. 30 cm, c'est plutôt bien. Et en plus, on est arrivé à quasiment à l'heure. Pas une seconde près. Donc je disais, c'est vraiment un jeu qui vous apprend en gros à travailler, hein, concrètement. C'est type toutes les trucs de simulation, de toute façon vous refaites limite des jobs que vous avez en vrai. Donc il faut vraiment aimer ça. Je sais très bien que c'est un jeu qui s'adresse pas à beaucoup de personnes finalement, parce que c'est un jeu qui est assez rébarbatif, c'est toujours la même chose plus ou moins. Une fois que vous allez avoir réussi un niveau à 100%, je vous dis bon courage quand même avant d'y arriver à 100% à faire un score parfait là-dessus, parce qu'il faut vraiment être... Enfin, il va falloir recommencer plein de fois. c'est voilà, faut vraiment avoir une petite passion ou en tout cas un bon intérêt par rapport à ça pour apprécier le jeu. Alors, on va démarrer. Alors il reste encore je crois 2-3 arrêts et puis on va arriver jusqu'à Ueno. On va accélérer. 75 km/h à atteindre dans cette zone. Et ouais, j'ai 18 212 points, j'ai fait 28 chaînes. Si je me trompe jamais, je peux faire un nombre de chaînes maximal. Et du coup, avoir le meilleur score. Sachant que je gagnerai plus d'argent à la fin du niveau. Sans, si j'ai pas game over, bien sûr. On monte un petit peu la vitesse, voilà. Là, on a plus 3, c'est ça qu'on a en avance. Je peux redescendre un petit peu. Et comme j'ai plutôt tendance à perdre un peu de temps. Sur le stop, sur les arrêts, je compense un peu en accélérant un peu la vitesse moyenne avant. Mais le jour où j'arriverai à m'arrêter très très bien, eh ben en gros, je commencerai à aller vivement vraiment à la vitesse demandée, c'est-à-dire à plus 0, ou moins 0, enfin 0, 0 dégâts. Là, il faut être à 65, on est déjà à 65 km/h, mais c'est-à-dire qu'on peut freiner beaucoup plus fort. Moi j'ai tendance à y aller tranquillement. Ah mais normalement on peut freiner beaucoup plus, vous voyez la barre de G elle est vraiment vraiment très faible. On va commencer à freiner un peu plus. On va freiner un petit peu, il nous reste 7 secondes. Sans 6 cm, c'est pas mal. 24 000. On a toujours notre combinaison, notre combo. On est à plus 33 de chaîne, puisqu'on n'a pas fait d'erreur en toit. Enfin, on a été toujours bon dans les sauts dans les temps, sauts dans les écarts, et on n'a pas dépassé les vitesses maxi. Donc, pour l'instant, bah, on enchaîne un beau combo. Et du coup, je suis plutôt content. Parce qu'il faut savoir que sur les autres vidéos qu'on avait fait sur Densha de Go, c'est-à-dire sur la version Pocket, Neo Geo Pocket et la version 64, c'était pas vraiment le cas. C'était vraiment compliqué. Alors il y avait d'autres paramètres aussi hein, qui étaient dans les autres jeux que je ne connaissais pas, je n'ai pas trop compris. Mais c'était évidemment, comme je vous dis tout à l'heure, c'est le fait de ralentir certaines zones, d'envoyer un signal sonore à un autre. Ça, on va avoir le faire plus tard, mais je ne sais pas spécialement le faire. Jusqu'au bout, voilà, 72%, bonne accélération, c'est bien. Donc là, on est presque arrivé, on n'est pas encore à Ueno, mais on y est presque. Alors, il existe des versions bien en Play 1, Saturn, je crois que j'ai fait la Saturn, il me semble. On a aussi la version PlayStation 3, il y en a une qui est assez rare à trouver, d'ailleurs, en occasion, elle n'est pas trop marché, parce que la PlayStation 3, il faut savoir qu'elle a fait un peu un flop aussi. Hein. La PlayStation 4 a une version aussi de ce jeu. De toute façon, toutes les... C'est un jeu qui est indémodable en fait, hein, concrètement, donc vous allez toujours trouver des versions facilement de ce jeu. On va bientôt s'arrêter, on est déjà à 65. Je vais commencer à ralentir un peu. Et on va s'arrêter à la prochaine. Vous voyez, les espaces entre les gares, entre les stations, sont pas forcément très élevés, hein, si vous regardez bien. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'écart. Par contre, là je vais vraiment
Faut vraiment que je freine. Faut vraiment que je freine. Parce que j'ai suis allé assez vite à l'entrée de la station. En plus, on a beaucoup de marge. Donc, je prends mon temps. Ben 10 cm, c'est pas mal. Et en plus on arrive largement en avance il me semble. Ah non, je suis en retard de 2 secondes, je pensais que j'avais plus d'avance que ça. Bon enfin on est bon, on est bon, de toute façon, tout ce qui compte. Tant que lui il est content, de toute façon nous on est content. Allez, on va arriver à votre partie. Ouais, j'espère voilà, que je puisse vous montrer un deuxième. Enfin, au moins un deuxième endroit. Qu'on fera pas en entier, hein, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire après. Allez, on va faire une franche accélération parce qu'il faut aller à 75 km/h cette fois-ci. J'ai ouais, pas spécialement réussi, mais c'est pas grave. 75 km/h. Donc c'est parti. Alors il me semble que vers la fin du tracé, il y a un peu de montée-descente, ce qui fait que ça devient un peu plus compliqué de gérer la vitesse. Vous allez le voir après. Là on va descendre notre vitesse. Faut que j'accélère, faut que je descende. Voilà, on est en dessous, c'est parfait. On va pas tarder à s'arrêter à la prochaine station. C'était pas mal, je suis assez content là, je pensais que je suis bien arrivé, j'ai réussi à être au plus proche et j'ai vraiment de l'avance hein, par contre, 8 secondes. Alors là pour l'instant là-bas on a perdu que 3 petits bonhommes en haut, mais évidemment quand on va faire d'autres modes de jeu ça va être beaucoup plus difficile. Là vraiment le but c'est de pouvoir vous montrer entièrement au moins une section et on va arriver à Ueno. Alors les bruits de chaque station, je pense aussi, parce qu'il faut savoir que dans les grandes villes japonaises, même un peu partout au Japon, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les personnes qui ne voient pas ou qui n'entendent pas. C'est-à-dire que par exemple, pour les gens qui ne voient pas, dans les rues par exemple, vous avez des marqueurs au sol qui permettent par exemple aux gens qui ne voient pas de suivre en fait une ligne pour savoir où marcher sur la rue. Et vous avez beaucoup de sons différents pour vous dire par exemple qu'au feu vous pouvez traverser et pas traverser. Et je me demande si au niveau des stations c'est pas un peu la même chose. Le fait d'avoir des sons différents, ça permet parfois aux autres de savoir à peu près où on en est. Sachant que ils annoncent quand même aussi à la voix, en plus dans les deux langues, hein, ils annoncent aussi en anglais les stations. Donc voilà, je pense que c'est aussi une petite aide d'une certaine manière. Et puis c'est vraiment un marqueur sympa quoi, d'avoir chaque station à sa petite musique, c'est quand même sympa. On n'a pas vraiment le cas ça en France, hein, c'est toujours les mêmes bruits. Ah, j'aurais même pu freiner plus tôt. 60 cm. Et on est arrivé à Ueno. Voilà, donc normalement c'est terminé. On a fait 51 000 points, ce qui est pas mal. Je crois que c'est mon meilleur score d'ailleurs dans ce que j'ai fait en off. Alors j'ai fait 2-3 tracés quand même pour m'entraîner. Et donc c'est terminé.
Et alors une musique assez sympa avec le. Bah, on va retracer tous les scores en fait de chaque station qu'on a passée. Vous allez voir. Je vous laisse la petite musique. Alors ce que vous voyez à la fois en même temps, c'est pas forcément que les scores, vous les voyez en bas, mais c'est vraiment les crédits en fait de fin de jeu. Parce que c'est censé être aussi un jeu qui jouait sur les bornes d'arcade, donc en fait ça fait c'est comme si vous avez un crédit en fait. Donc enfin là c'est le jeu sur console, donc il n'y a pas de ce problème là, mais là, vous êtes censé avoir une fin de jeu dès que vous terminez la partie, puis vous remettez un coin, il vous relancez une autre partie derrière. Là du coup, 66 000 crédits c'est pas mal, hein, franchement, je suis plutôt content, mais c'est pas assez. Ça me permet par exemple de débloquer certains trucs. Mais je peux pas débloquer tout. Par exemple, voilà, maintenant je pourrais débloquer ces axes-là, 25 000, 38 000. Alors ce que je vous propose de faire, ça sera. Bah, le co-conducteur, je peux toujours pas le faire, il faut que j'ai plus de choses, plus d'argent, pardon. On a Shu Line, Osaka, la Tokaido Line. Je me demande si on pourrait pas s'amuser à faire la ligne Tokaido, peut-être. Ouais, allez. Vous voyez, on a des étoiles. Hein. Les étoiles, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus c'est facile, difficile. On va faire la Osaka. Je peux en plus vous montrer un truc où on échoue toutes les 4 secondes. Donc on peut faire au bas, gauche, droite, voilà, pour changer les lignes. On va valider celle-là. Donc là, on a Osaka, Kyobashi. Qu'est-ce qu'on a? On a que ça comme ligne, on peut en faire qu'une seule. Alors on a un tutoriel, hein, je vous ai pas montré parce que voilà, je vous explique un peu à part parce que de toute façon c'est tout en japonais. Mais en gros quand vous allez commencer la première ligne tout en haut, il y a une contrôleuse qui va vous expliquer un petit peu, enfin tout ce qu'il faut vérifier. Alors, qui dit différents trains dit différentes accélérations, et ça n'a pas tout le même comportement. Il faut savoir que chaque train d'un coup va être plus ou moins difficile à appréhender. Et regardez les feux, ils sont ouverts. Le départ. Alors là, par exemple, vous voyez l'affichage a complètement changé. Je pense que j'aurais dû mettre au tuto, concrètement. Vous voyez, là on est en orange, je ne sais même pas à combien je suis censé aller. Je n'ai aucune indication, je ne sais pas à quelle vitesse je suis censé aller. Concrètement. Je vois que c'est ouvert, mais c'est tout ce que je sais. Il faut aller à 70. Donc on va aller à 70. Vous voyez, les indications elles sont plus présentes à la vente. Hein. Il va falloir juste que je me fie à ce qui est marqué en haut. L'accélération est beaucoup plus lente. Voilà, je suis à 69-68, donc ça c'est bon. Le point de passage donc à droite qui me dit qu'il faut choisir cette vitesse-là. Donc là on est bon. Mais j'ai pas l'indication à l'avance, ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de s'en sortir quoi. Alors il va y avoir un arrêt. Donc je vais mettre du frein. Voilà, avec le feu rouge, on peut le voir. Dans 400 mètres. Et vous voyez, l'univers a changé. On est vraiment à Osaka. Bon, les villes se ressemblent assez au niveau des bâtiments. Parce qu'au Japon, il y a très peu de différence entre les habitations. Que vous soyez en campagne, en ville. C'est toujours les mêmes architectures. On ne fait pas trop de différence. Par contre, les gares, effectivement, sont un petit peu différentes. Donc là, on va devoir s'arrêter. Vous voyez, je suis assez lent, pourtant je suis au neutre. On va voir les options de freinage. Je ne connais pas le frein, donc du coup je vais freiner vraiment plus fort. Voilà.
essayer de ralentir un petit peu. Je suis déjà en retard, hein. Vous avez vu? Je suis déjà en retard, je dis 10 secondes. Et là, je suis obligé de le laisser aller jusqu'au maître. Donc je vais être en retard. C'est pas grave, on va commencer à freiner d'un coup. Vous voyez, le frein est pas super, super précis. On a beaucoup plus d'amplitude avec ce train que l'on avait avec l'autre. Je suis en retard de 23 secondes. J'ai perdu déjà 2 points dès le premier arrêt par rapport aux autres. Je trouve que c'est un petit peu surprenant d'avoir des affichages en moins. Et quand on est assez bon, bah en gros, vous n'avez plus aucune indication. Si ce n'est juste peut-être les chaînes que vous enchaînez et ce qui est écrit sur la signalisation devant vous. On va faire la deuxième station. J'ai pas d'en avoir beaucoup, une station, mais bon, vu qu'on arrive un peu à la bourre. Et oui, Osaka, les musiques sont pas les mêmes que à Tokyo. Et là, il n'y a pas de sonnerie qui m'indique que je vais devoir accélérer bientôt. Sur les MOT Line, tout à l'heure, on avait le tindum, tindum, tindum. Et ça nous permettait du coup de se dire, bon, à la fin de ça, je vais pouvoir accélérer, je prends de l'avance. Là, non. Alors, je sens arriver d'autres problématiques peut-être dans cette partie-là. Typiquement... Ah non, on a pas de 50. On a pas de 50. Donc ça veut dire qu'on va, essayer de rester à 50. Par contre, vous pouvez voir que... voilà, il faut que j'arrive... Là, je suis pas aidé par les kilomètres. Je sais pas combien je vais. Alors là, je le vois. 50. Et je vais devoir m'arrêter bientôt, hein, aussi. Prochain arrêt. Apparemment, c'est un... ouais, c'est vraiment une gare. C'est vraiment une gare. Je suis à 200 mètres. J'essaie de prendre le panneau 50, pas trop loin. Voilà, dès qu'on arrive à 50, on va s'arrêter maintenant. Je vais le laisser filer un peu quand même. Je suis déjà en retard, hein. Je suis déjà en retard, les gens. Je suis déjà en retard de 10 secondes. Ouais, je suis déjà en retard. J'ai déjà perdu encore 2 bonhommes. Au moins j'échoue à Ahmed, donc bon, j'ai pas double pénalité en fait. Hein. Mais oui, il faut vraiment, vraiment aller vite. C'est là, on est vraiment dans des trucs beaucoup plus difficiles. Alors, est-ce que je vais pouvoir arriver jusqu'au bout de la partie? C'est pas sûr. Parce que je crois qu'il y avait 4 gares. Ah, si, peut-être qu'on va y arriver. On va essayer. On va essayer d'arriver jusqu'au bout. Et puis de toute façon, on s'arrêtera après, parce que je pourrais pas vous montrer le mode contrôleur, parce que j'ai pas assez de points. Bon, ici c'est au bruit des portes. Dès qu'on entend la fin des portes se claquer, on sait qu'on peut démarrer. Et là, on sait que c'est limité à 50 dès le début, donc c'est une bonne aide. Essayer de me rapprocher des 50 km/h sans les dépasser. On est en ligne droite. Oui, ma ligne, elle est vraiment juste un tout petit cran en dessous. Là, je peux aller à 70 km/h. Alors, je dirais pas que c'est un veau, mais presque. Parce que vraiment, il a une vitesse d'accélération qui est très très faible. Donc, on va arriver à la prochaine station bientôt. On va pouvoir s'arrêter. J'arrive assez vite d'ailleurs.
Ah, je suis arrivé trop loin. Je suis arrivé à 10 mètres, j'ai balancé trop de jets, donc du coup j'ai pas eu trop de points en fait. C'est-à-dire qu'en gros j'ai frappé trop fort. Au niveau du temps, je suis arrivé 17 secondes trop tard, 10 mètres, 23 points. Voilà, j'ai vraiment le nombre de points le plus bidon qui soit avant le game over. Et je crois que c'était la dernière. On a réussi quand même, on n'a pas eu game over du premier coup. Ce qui reste plutôt, je trouve, un petit exploit parce que c'était pas non plus évident. Mais maintenant, vous voyez, voilà, donc on est déjà sur un niveau un peu plus élevé. Il va falloir s'adapter au train, recommencer plusieurs fois. Et là, on a une petite vidéo. Oui, marqueur au sol à droite. Voilà, donc petite vidéo débloquée, je pense, pour le jeu. Et la fin, le petit générique. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'aurais aimé vous montrer beaucoup plus de choses, mais il aurait fallu que j'avance beaucoup plus dans le jeu. Et puis surtout, il faut que je comprenne tous les automatismes. Ce qui n'est pas évident, parce que mine de rien, trouver des tutoriels d'Enchantego pour toutes les versions, c'est pas facile. Il y a des versions qui sont plus ou moins connues que d'autres. La Final est plutôt une version assez connue quand même, hein, je précise. Mais voilà, ça reste pas facile non plus. Donc c'est un jeu que je recommande vraiment si vous aimez ce style de jeu concrètement. C'est un jeu super sympa, c'est un jeu qui demande beaucoup de patience, beaucoup de concentration. Vous n'allez pas pouvoir y jouer sur Twitch, en parler avec tout le monde, non, c'est pas possible. Déjà là en commentant c'était pas évident. Mais voilà, c'est toujours un jeu très sympathique. Essayez peut-être les versions plus à jour, qui sont plus jolies. Par contre, n'essayez pas les versions forcément PSP, parce qu'il me semble que les versions PSP, ce sont des vidéos en fait qui tournent en fond. C'est pas vraiment. Alors, j'ai l'impression que le jeu est bien fait, parce que c'est des vidéos qui tournent hein, au niveau du décor, c'est pas de la 3D. Je trouve que le fait que ce soit de la 3D, c'est quand même un peu plus cohérent au niveau de l'ambiance. Qu'est-ce que je pourrais reprocher à ce jeu ? Pas grand chose en fait, il n'y a pas grand chose à reprocher à ce genre de jeu, si ce n'est que bah, c'est toujours plus ou moins la même chose, hein, concrètement. Si peut-être les graphismes un peu ternes, on a vu quand même la deuxième ligne, c'était plutôt coloré, c'était un peu sympa. Mais on était souvent dans la grisaille quand on est surtout sur la main OT line, c'est un peu dommage. On n'a pas testé la pluie, mais j'imagine que à part les accélérations ou les freinages, ça ne doit pas changer plus que ça, enfin ça doit changer que ça. À moins qu'on ait des impacts aussi sur la vitre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.